Salut les amis, ici Bigouf, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de World of Tank Blitz. Aujourd'hui, notre vidéo va partir en deux étapes, hein, comme une vidéo que je vous avais fait sur les chars premium en tant que soviétique. Là, on va vous faire la même, enfin je vais vous faire la même, je sais pas pourquoi je dis on, mais parce qu'on est ensemble en fait, c'est pour ça que je dois dire on. Là, on va faire la même, j'ai vraiment du mal à parler moi. On va faire la même, mais sur les chars maintenant, la branche allemande. Comme j'en ai 8 à faire, hein, donc il y en a certains que je ne fais pas du fait qu'ils ont rien à voir de l'arbre technologie. Là j'en ai fait 4 et j'en aurai encore 4 à faire. Donc là il y a le T15 comme vous pouvez le voir là-haut. Alors on peut pouvoir me poser la question, oui, pourquoi tu n'as pas acheté le JG TIG 8-8 à 7400 pièces d'or? Donc je ne l'ai pas acheté, pour quelle et simple raison? C'est parce que j'ai la même version, alors je montre tout de suite. J'ai la même version, mais avec la peinture spéciale. Donc c'est pour ça que je me suis pas embêté à l'acheter deux fois, alors qu'il a la même caractéristique, sauf que celui-là, il a un camouflage, c'est tout. Qu'est-ce que je fais moi? Donc voilà, comme ça répond tout de suite à ma question, si on me demande pour quelle raison que je ne l'ai pas celui-là. Donc voilà, si ça peut répondre à votre question, mes amis, ça me fait plaisir. Alors attendez, moi je me perds dans mes touches encore. Et on a fait ça et on faisait ça, voilà. Donc pour aujourd'hui mes amis, on va partir sur du PZ-38H, du T15, du PZ-S35 et on finira cette vidéo aujourd'hui par un T25. Allez, sans plus attendre les amis, on part avec le PZ-38H. Alors bien sûr les amis, c'est des vidéos que je fais d'avance, hein, pour ceux qui le savent, c'est parce que ma fille va bientôt arriver, donc je préfère me prendre de l'avance. C'est pour ça, donc si je ne réponds pas à vos questions les amis, voici la réponse à la question de pour quelle raison que je ne réponds pas, parce que c'est une vidéo d'avance. Allez, on est parti avec ce petit PZ-38H mes amis. Ah non, je crois que j'étais tout seul. Allez, on est parti. Oh dis donc, je vais battre des records de vitesse avec cet engin. Ouais, on y va. Allez, continue. Et qu'est-ce qui... Voilà, alors ça c'est le truc... tu viens m'aider s'il te plaît. Pourquoi ils se barrent? Ils se barrent tous là, ils me laissent tout seul là. Bon, alors... J'espère que je vais pas tomber. Donc là il y en a deux qui sont là-bas, ok. Tout ce que j'espère, c'est pas rencontrer du monde. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, je suis en train de me promener tranquillou. Voilà, ça y est. Merci. Ah, il me cherche. Il doit se dire qu'est-ce qui se passe. Où c'est qu'il est? Ouais, bah oui, toi t'es un bon, toi. T'es très très bon. Ah, ça y est, là par contre, lui, il a l'air d'être plus motivé. Ouh là là. Oh la vache, qu'est-ce qu'il encaisse? Bon, là, ça commence à bien faire. Ouais, ça serait bien, c'est qu'en fait, les mecs, ils m'aident. Mais il n'y a personne qui va venir m'aider. Voilà, bon, là, ils sont à 3 sur moi. Franchement, si j'arrive à en avoir un, il commence à me gonfler, lui. Ouais, bah ça, j'ai compris, ça. Voilà. Allez, super. J'ai envie de marquer bande de losers, mais bon, on va se contenir, c'est qu'un jeu. Hein, je pensais pouvoir avoir du soutien, mais c'est pas grave. Bon, allez, c'est pas grave, les amis. On va pas s'énerver, ce n'est qu'un jeu. Soyons sport. Après donc cette magnifique déculottée du PZ-38H, on va partir avec du T15. Là, on part sur un char de tier 3, les amis. Oula, je sens que ça va faire comme tout à l'heure. On va se prendre une déculottée, mais comme pas... Mais en tout cas, elle a bien encaissé quand même. Hein, quand vous avez vu le nombre de tirs qu'il a reçus... Bon, il y a un moment, je pense que... On peut pas lutter. Pas de problème, on peut pas lutter contre 3 chars. Non, là en plus que c'est un char quand même qui est assez pâteau, hein. Il a un petit peu de mal, comme vous avez pu le constater. Donc bah voilà, on s'est fait laminer. Alors, c'est parti. Bon, tu peux avancer, merci. Très gentil de ta part.
Voilà, alors lui, il a pas vu que j'étais là. Mais c'est marrant, j'ai l'impression que tout le monde me suit. Me suit. Voilà, ça c'est les parties qui m'énervent. Personne ne sait jouer son rôle avec son char, c'est voilà. À part faire de la camp, c'est tout ce qu'ils savent faire. Bon, après on va dire les petits tiers en général, hein, c'est peut-être parce qu'il y a des joueurs qui commencent tout simplement. Voilà, nous ça va nous faire. Peut-être que je regarde ce qu'il y a en face parce que voilà. Ah, il m'a mis une bonne praline là, le bétail. Ah, pourquoi? Oh là 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 là. Bon bah les amis, je crois qu'on va devoir se dire adieu. Oh non! Je croyais que j'allais exploser. Ça va. Oh là 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 là, mais je fais n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. Là, c'est... Voilà, au lieu d'essayer de choper... Voilà, le T40 regarde, on sait pas trop où. Voilà, il tire sur... Ouais, bref, bon, ça m'énerve, allez, on s'en fout, on va passer, on va pas regarder... On va pas regarder Marcel. Salut à toi, Kemal Main. Qu'est-ce qu'il me fait faire? Oh là 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 là. Ah, ça m'énerve. Oui, ça m'énerve. Bon, on va regarder ce que j'ai reçu. Non, salut à toi. Voilà. Donc, la belle déculottée. Ah, quand même, troisième. Hein. On se sera bien sortis. Hein. Bon, mes amis, ne s'énervons pas. Ça sert à rien. Restons sport. Et maintenant, on va partir avec du PZ-S35. C'est parti, les amis. Bon, j'espère au moins réussir au moins une belle petite victoire. Ça serait sympa. Parce que là, c'est vraiment une partie. Vraiment une partie de merde, c'est le cas de le dire. Excusez-moi du terme, mais là, il faut. Il y a un moment, il faut le dire. Hein, Quand c'est des belles parties, on les fait. Si c'est pas des bonnes, faut le dire aussi. Alors, tout le monde fait demi-tour? On me laisse tout seul? Déjà, je suis pas tout seul. C'est déjà pas mal. Maintenant, on va voir ce qui va se passer. Voilà, déjà il commence bien, il essaie de me shooter. Alors, que va-t-il se passer, mes amis? Oh, mais c'est bon, toi, on a compris, t'es content, tu me tires dessus, ça va qu'on a... Tiens, tire sur les bonnes personnes au lieu de... Voilà, alors ça, pour faire le zouave, hein, on sait le faire, mais alors quand il faut vraiment tirer sur la bonne personne, hein, il n'y a plus personne. Pan dans les dents. Voilà, alors ça, le truc qui m'énerve, c'est que le mec, voilà, t'es content, tu m'as piqué le kill. Voilà, bibou you 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 you. BBU. Alors, continuons l'ascension. Bah, apparemment, là, on est peut-être. J'ai bien dit peut-être parce que je vais pas. C'est là que je dis ça et puis. Lui, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, c'est chiant. Oula, attention, la pleine descente, là. Oh, oh. Ouais. Olé. Non, tu m'as loupé. Pénétration du blindage.
Mais y a personne qui va me laisser faire mon kill, hein. Tranquillement, hein. Tranquillou. Bon, on s'en fout, le principal, c'est de se faire des points, les amis. Non, ça y est? Oh, c'est mon premier! C'est moi où je l'ai... Ouais, je l'ai complètement foiré, là. Non, tu cherches pas, t'es mort. Oh, un deuxième, c'est gentil. Ça, c'est emmerdant, ça. Non, reste là. Reste là, nom de Dieu. Bon, ça va, on se sera bien tiré. Au début, ça commençait mal, mais on a réussi à en avoir deux. C'est cool. Ça fait plaisir. Et j'aurais pensé qu'on n'aurait eu aucune victoire. Salut à toi, Zanin Shelly. Oh, premier, mais là, ça fait du bien quand même. Hein. On se ressent victoire. Oh, magnifique. Et là, bon, là, on est deuxième en partant de la fin, les amis. Mais il y a quand même une victoire. Pas grâce à moi, parce que je me suis fait éclater. Mais c'est cool, ça fait plaisir. Bon, bah les amis, pour finir cette première partie sur les chars premium allemands, on va finir avec le T25. Bien sûr, vous ne vous inquiétez pas, on se retrouvera très prochainement pour la seconde partie des chars premium de la branche, enfin de la nationalité allemande. Et on finira bien sûr par la branche britannique, parce qu'il y en a quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. C'est vrai que le plus qu'il y a en chars premium dans la branche, c'est soviétique. Mais bon, je pense qu'ils vont nous en rajouter encore. Ils nous en rajouteront encore, je ne m'inquiète pas là-dessus. Alors, bon, j'espère que mes amis, pour cette première partie, on va réussir à se finir la vidéo sur une victoire. Ça serait cool, hein. Là, je pense que ça serait le plus beau cadeau. Ah bah, j'ai eu du bol. Ouais, bah maintenant c'est fini. Voilà. Allez, les amis. Ah, ça c'est emmerdant par contre, de se coincer avec un boucher. On va essayer de se décoincer. Toi, tu vas te détendre. On va essayer de se bouger de là, parce que si je reste ici... Voilà. Oh non, il est tombé. Dommage. Mathilda. Oh, lui, le T-44, il me fait un peu mal, là. Voilà. Il y en a deux, en plus, j'avais pas fait gaffe. Alors, lui, on va le détendre un petit peu aussi, là. Je le sens un peu tendu. Voilà, forcément, je me serais douté que j'aurais tiré dans la pierre. Je sais pas pourquoi le T-34, il m'en veut. Oh, la vache, ils sont derrière, j'ai pas vu. Voilà, au moins, on en aurait eu un, on s'en fout. Ouh, c'est bien tiré, on s'en est bien tiré quand même. Hein. C'est pour une magnifique déculottée, on a réussi à en avoir un. Enfin, j'espère que les amis vont réussir à se dépatouiller, mais bon, ça a l'air d'être plutôt mal barré. Très, très mal barré. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser. Et puis, bah, dans ce cas-là, salut à toi, Dantiani. Je vous laisse en même temps la petite question à ma réponse pour la première partie. Je vous dirai ça en deuxième partie. Est-ce que ce fameux T25 va gagner avec l'équipe qu'on a? Est-ce qu'on va gagner la bataille ou pas? Voilà, ça sera ma petite question du jour. Et bah, je vous y répondrai par le biais de la seconde partie qui sera très prochainement. Allez, les amis, bah, je vous laisse savourer ce petit moment. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut à tous, ciao.